Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro-Congo News Sport. Au stade Joseph Kabila Kabagé de Kindou pour la deuxième période. C'est donc réparti entre Maniema Union et Vita Club, toujours 0 but partout entre les deux protagonistes. La seconde période est lancée, on veut 2 buts pour savourer le bon contenu de cette belle affiche de la famille vert et noir entre Maniema et Vita Club. Ballon dégagé loin devant. Pas trop de danger. Les balles sont toujours dans les camps des Maniema avec Onoya Sangana. Onoya pour Lupini Mankou avec le capitaine de Mbele le Canadio à Bayomi. Mamadou, la réponse de Bakassou Banka. Est-ce qu'il est solide? Et la faute sur Bassirou Yon d'aller très vite à Bayomi, empêché par Sime Ketabura. Ikagalobo Capella à toute vitesse. Ikagalobo dans la surface, Jonathan le centre. Attention, l'ouverture du score du Vita Club. Succès très bon service de Jonathan Ikagalobo à toute vitesse. Il perce dans la surface et localise son coéquipier, l'avant-centre. Afan Djabayel comme en rien. 0 pour Maniema, 1 pour Vita Club. Oh, et bien. Quelle vitesse de la part de Jonathan Ikagalobo Capella. Simeti n'a pas pu faire mieux. Il n'a pas pu faire mieux pour stopper Jonathan Ikagalobo. Afan Djabayé, qui n'a pas trop forcé, et glisse la balle au pied du poteau. 0 pour Maniema, 1 pour Vita Club. La deuxième période qui démarre très bien côté Vita Club avec l'ouverture du score. Mieux inscrit par Afan Djabayé.
sur les très bons services de Jonathan Ikengelobo Capella. Il y a faute. Rachid Moussig va exploiter cette balle arrêtée. Devant, il y a Kikabala, Sinoukimi, le centre. La balle qui traîne, Bakassou met la tête. C'est empêché par le défenseur des Vita Club. Ballon dégagé là devant, Ikengalobo avec cette tête. La balle est sortie en touche. Pour l'équipe locale des Maniema. Pour l'instant, Vita Club totalise 8 points et rejoint l'AF Angevin en première position. En première position de ce classement du groupe B, Angevin qui a 8 points. La région du Congo a 7 points après 3 journées. Angevin a disputé 4 matchs. Céleste RFC a 6 points après 2 journées. Quatrième, Dauphinor, 6 points après 3 journées. Mais rien n'est terminé jusque-là parce que Maniema est capable de répondre en face. Vita Club doit essayer de bien conserver, pourquoi pas de chercher les seconds buts et de se mettre à l'abri. Car ici à Kindou, Maniema ne pardonne pas la dernière défaite. Et Maniema, ici, au stade JKK, c'était contre le FC Saint-Éloi Loupopo, 1 contre 3. C'était le 21 mars dernier. Et du coup, Maniema... Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.